À quoi pense-t-on à la simple évocation du nom de Trainspotting ? Au jeune émigréchon Ewan McGregor, incarnation parfaite du junkie d'Édimbourg, à la bande-son décoiffante d'Iggy Pop, à cette mise en scène audacieuse et totalement folle, au curieux mélange de trash et de comique tout au long du film de Danny Boyle. Oui, c'est tout cela. Mais n'oublions pas que cet univers est à l'origine deux romans d'Irvin Welsh. Voici donc Trainspotting et sa suite porno. Dans un quartier d'Édimbourg des années 80, Mark Renton, Sick Boy, Spud, Begbie et leurs amis sont tous héroïnomanes, cocaïnomanes ou alcooliques. Quel autre avenir pour ces jeunes chômeurs dont la vie ne leur offre rien de plus qu'une recherche de sensations nouvelles ? Triste vie, me direz-vous ? Pas pour cette bande de dégénérés prêts à tous les sacrifices pour avoir une dernière dose de liberté au goût bien amer. Trainspotting parle des changements dans la vie. Les changements à l'adolescence, dans la drogue, la difficulté de s'en débarrasser, les coups de pute entre amis ou le passage à l'âge adulte. Bref, beaucoup de thèmes sont abordés ici. Et vous allez sûrement me demander, quelle différence concrète avec le film de Danny Boyle ? Eh bien, dans le roman, les narrateurs changent selon les chapitres. On se retrouve ainsi dans la peau de Renton, Sick Boy, Begbie, Spud et bien d'autres, chacun avec leur manière de s'exprimer. Et ça ressemble finalement à un recueil de nouvelles mettant en avant des tranches de vie qui nous permettent d'identifier les liens qui unissent les personnages. La multitude de points de vue montre qu'aucun des protagonistes n'est parfait. Ils sont même de sacrés enfoirés à leur manière. Renton, l'héroïnomane végétarien révolté contre la terre entière. Sick Boy, le prétendu businessman cocaïnomane prêt à dominer le monde. Begbie, le psychopathe ultime doublé d'un alcoolique violent. Et Spud, le junkie dans toute sa splendeur. Débile au premier abord, il a malgré tout une personnalité très sensible. Alors bon, dans tout ça, ce roman est donc hyper cool ? Eh bien, pas tant que ça. Malgré des phrases choc et un humour particulièrement grinçant, le style reste très brouillon, voire totalement incompréhensible si on n'a pas vu le film. L'œuvre écrite d'Irvin Welsh est, sans aucun doute, bien plus développée que son adaptation cinématographique, mais en même temps, moins dynamique et inégale de par son rythme déséquilibré. Et rajoutons à cela une traduction parfois dans les choux. Et puis, les personnages ont beaucoup trop de surnoms. C'en est presque indigeste à suivre. Par exemple, Taspod, qui est aussi Danny, Murphy, Murphy la débraille, ou encore Begbie. Alors lui, c'est Franco, Francis, Bégard, Bégard Boy, François. Alors là, c'est la totale. Le film de Danny Boyle est indispensable de par sa mise en scène de folie, sa bande-son et son casting, là où le roman échoue complètement. Alors, que penser de cette suite écrite ? Honnêtement, c'était plutôt mal parti. Retrouver la joyeuse bande de camés plus ou moins reconvertis ne m'enthousiasmait pas des masses. Mais j'ai pris mon mal en patience pour en finir avec cette pénible lecture qui parvenait uniquement à noyer mon esprit. Et oui, pas besoin de drogue, lisez Trainspotting. Et finalement, l'attachement au personnage ressurgit de plus belle. C'est même avec un certain plaisir que l'on redécouvre nos héros quelque peu vieillis. Renton tient une boîte de nuit à Amsterdam, Sick Boy, rentré de Londres, est propriétaire d'un pub, Begbie vient de purger une peine d'emprisonnement suite à un homicide involontaire, Spud, celui qui vit une épreuve douloureuse pour se sortir de l'héros, cherche un but dans la vie et le trouve en écrivant l'histoire du quartier natal. Et au milieu de tout ça se trouve Nikki, une étudiante en cinéma qui, attirée par l'industrie pornographique, rencontre Sick Boy dans le but d'écrire et de jouer dans son propre film féministe pour adultes. Tout comme Trainspotting, Porno est riche de par la multitude des thèmes abordés. On y retrouve en effet l'attachement au quartier natal, aussi pauvre et misérable soit cette périphérie d'Édimbourg, le thème de la pornographie avec la question de la place du féminisme dans cette industrie par opposition à ce qui peut être dégradant pour la femme, l'addiction à l'héros, à la coke, à l'alcool, au pouvoir, au sexe, à la violence, et forcément les problématiques liées à l'amitié. Alors le film dans tout ça ?
Le personnage principal du livre n'est pas Renton, comme dans le film, mais Sick Boy, qui est aussi la grosse pourriture. Et les différences ne s'arrêtent pas là. Aucun des héros n'est semblable, et les liens entre eux sont grossiers et absolument pas respectés. Renboy qui retourne à l'Ace de lui-même, c'est des conneries. Spot suicidaire, des balivernes. Et la palme revient à Nikki. L'étudiante qui se lance dans la pornographie n'existe pas dans le film. On parle quand même d'un personnage essentiel à l'histoire, hein. Bref, ce n'est pas tant le fait d'écrire une nouvelle histoire et en tirer une autre suite cinématographique qui me dérange. Non. Mais c'est plutôt de voir ça, là. C'est juste de la foutue manipulation. Ce n'est absolument pas la même histoire. Tout est mensonger en montrant ce visuel. Foutre l'affiche du film en couverture de porno, c'est comme utiliser une photo de produit ménager pour illustrer Harry Potter. Ça n'a strictement rien à voir, aucun rapport. La suite cinématographique est donc une mauvaise caricature qui ne sert qu'à produire une redite du premier volet avec une avalanche de fanservice sans l'audace de la mise en scène de ce premier film. Et surtout, sans avoir une once de respect pour le travail écrit d'Irvin Welsh. Pour résumer, regardez Trainspotting 1. Et si vous êtes courageux, voire un tantinet masochiste, lancez-vous sur les deux livres. Qui sait le plaisir que vous pourriez en tirer ?